bienvenue sur le stream du corps. Et aujourd'hui, encore un petit échauffement de l'Orifrink. Et ensuite, du Chantal, la méthode Chantal, qui est disponible sur IMSLP. Donc, on va faire sur cette méthode ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire les gammes. Et puis, en fait, en finissant par le cahier sur les arpèges. Bonjour Marie-Laure. Et bienvenue sur le stream du corps et de la trompette et des cuivres, en fait, en général, quoi. Puisqu'on fait des échauffements de trompette avec ces lorifrinks. Bon, bah écoutez, c'est parti. Voilà, j'ai pris un petit peu en avance aujourd'hui parce que je crois qu'à 11h, il y a un collègue qui fait un petit concert sur Facebook. Donc je vais aller voir ça. C'est Cyril Ambrosiano. Je ne sais pas si tu connais déjà, mais c'est quelqu'un d'assez influent dans l'Association française du corps. Et voilà, je voulais voir ça. Donc c'est à 11h hein, sur Facebook. Je crois qu'il est prof à, je sais plus, dans le Nord. Voilà. Alors, c'est parti pour les chromatismes de démarrage. On va les faire avec l'embouchure, histoire de faire bien profiter d'une nouvelle vibration. Didier Velti. Eh ben moi non plus, je connais pas ce Didier Velti. Et il est prof peut-être, quelque part. Bon, alors c'est parti pour le chromatisme. Oui, il était prof au Havre et maintenant ça a changé, me semble-t-il. C'est une fille qui s'appelle Florence, quelque chose. Bonjour Lana. On fait les chromatismes juste à l'embouchure. Et avec l'instrument. On va mettre un métronome à 80. Tidali-dali. 1 et 2 et 1. Concentrate on feeding a steady stream. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire feeding. Je vais regarder. Mais alimenter. Voilà, dans l'idée. C'était de garder le flux de l'air et d'alimenter en air. Alors on continue sur mi bémol, toujours à 80. 1, 2.
champagne à l'embouchure. Deux. Et voilà. Deux. Faut vraiment que ça soit propre. On le refait. Oui, fa bémol. Alors, moi, j'avoue que je le fais de tête. J'ai l'écriture, mais essayer de le, on peut le jouer de tête sans forcément lire. Ainsi, si on le fait de tête, le fa bémol devient mi bémol, mi bécard, fa, sol bémol ou fa dièse, comme vous préférez. Là, il n'y a pas nécessairement de tonalité, donc le but du jeu, c'est vraiment de travailler sur l'air. On la connaît, la gamme, effectivement. Alors, un peu de bend. Few beats, j'ai oublié de rajouter un petit peu de tempo. Quand ça marche pas, que vous entendez que ça, il faut qu'on reprenne l'embouchure. Alors, ce qu'on avait l'habitude de faire aussi avec Grégory Cass, professeur à Genève, on avait l'habitude de le chanter. Faire ces petites choses, que ça soit propre. Alors, part B, C, D, pay strict attention to the division. Tap your foot in quarter note.
On va faire celui-là un petit peu plus vite. Ah, ça me fait penser que d'ici 2 semaines, Lana Biche, Lana, si tu es là, n'hésite pas à aller sur le stream dans 2 semaines de Fabien. J'en reparlerai, hein, mais le Octorn va venir faire un petit speech. Je passe un petit coup de pub, enfin un petit coup de voilà, de blabla, et puis peut-être nous dire comment ils travaillent. Donc je sais pas si tu connais le Octorn, c'est vraiment chouette ce qu'ils font. Ça va être sympa, je pense. Alors on va faire celui-là, le B, un peu plus vite. Facile à faire sur une seule respiration. On va le monter à 90 pour voir si le C on arrive mieux. Celui-là à une seule respiration, ça fait pas de mal. Alors le D aussi, c'est pareil, on essaie de faire ça sur une seule respiration. On va monter un petit peu le tempo encore. 1, 2, 2. Celui-là sur une seule respiration, on va quand même le refaire tout à l'heure. Bonjour Bruno Lyrs. Oui, sur corps en fa, tout cet exercice-là est vraiment bon à le faire sur le corps en fa pour garder l'énergie de l'air. On va le refaire pour que ce soit un peu plus propre et un petit peu plus rapide. On va prendre plus d'air. 1, 2. Ce qui est très important, comme il est écrit, c'est de garder et l'alimentation de l'air, vraiment la constance de ça. Alors les Chikovits Flow Studies, c'est très très bien aussi. Tout sur corps en fa. Et celle-là, très lentement. On va faire... on a fait pas mal de lents, mais on les fera pas aujourd'hui quand même. On va faire les Clark. Un petit peu pour... Et après on fera les Noodles. Alors ça me fait rire, parce que c'est vrai que ça veut dire nouille. Et ça veut pas dire grand chose pour l'exercice. Pareil sur le corps en fa, on n'est pas très lent, on n'est pas très rapide, pardon. Pareil sur corps en fa, tout ça pour. Alors une petite note quand même. Moi je joue tout sur corps en fa, mais pas au-dessus du do. Je pense en fa, du do écrit. Là, je passe sur le corps en si bémol. 1, 2. Faire le mode dorien. 1, 2.
continuer sur le noddle. Do di do di do de do do di di do 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 do. Alors cela, j'ai pas l'habitude de le jouer, donc on va le travailler un petit peu. C'est quelque chose que je referai histoire de s'habituer avec ça. C'est pas mal pour l'échauffement et chauffer un petit peu la souplesse. Trompettistes ont l'habitude de jouer ça très rapidement. On va le travailler donc un peu plus vite pour délier un petit peu les doigts dans cette fin de chauffe. N'oubliez pas que si jamais vous n'avez pas cliqué sur le cœur ou si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant. Ça vous coûte rien et moi ça va me permettre de me soutenir aussi sur ma chaîne. Voilà, c'est pas grand chose pour vous, mais ça peut être rigolo pour moi par la suite. Alors, on va continuer avec ça. Et puis, dernière chose, si jamais vous êtes abonné, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler et à communiquer cette histoire. On y va. Deux, un. Ok, on va continuer un petit peu à aller un peu plus vite. C'est pareil, demain il y a du tout, et puis tout à l'heure il y a la chaîne de Fabien. Je vais lui demander qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est important de faire la note du bas? D'aller chercher la note grave. Voilà pour les warm-up. Alors le but du jeu aujourd'hui, c'était de faire la méthode Chantal que j'aime beaucoup. Ah d'accord. Demain c'est du tôt. Ah, demain du tôt c'est dans 2 semaines, d'accord. Ok, merci Marie-Dor. Demain, c'est un tromboniste. D'accord. Bah, très intéressant aussi le trombone. Alors, cette méthode excellente de Chantal, sur tous les tons. Hier, on a fait Do majeur et. Ah, trombone basse, très bien. Donc, on a fait Do majeur. On va faire Sol majeur tout de suite. Il y a tous les intervalles, ça, c'est vachement bien. Propose qu'on fasse Sol majeur. Quelque chose de qui nous fasse partir un petit peu tranquillement. Ça, c'était rigolo comme exercice. Alors, on va le faire pas trop vite au démarrage.
Torido, sinon je vais me planter royalement et ça sera rigolo pour vous, mais pas pour moi. Petit break là-dessus. Le but c'est aussi c'est de continuer à travailler sur alimenter l'air et garder une certaine souplesse en lèvres. Donc faire ça bien. Normalement, on fait des pauses entre chaque exercice. On va le refaire un petit peu plus vite. Ça marchait pas mal. Bien cet exercice. Je trouve aussi que c'est très bien cet exercice, mais alors par contre à la fin, on en a un peu plein la bouche et il faut garder un petit peu le. C'est bien pour travailler l'endurance. C'est pour ça que je fais quelques pauses entre chaque et on va continuer ici en attaquant dans l'aigu avec le son da 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 ou din din din. Pour les trompettistes, ça va être facile. Peut-être moins pour les cornistes. C'est parti. Et voilà. 1, 2. Thank you.
Bien, bien, bien. Oui, c'est très, très bien cet exercice. C'est des exercices comme on a l'habitude de faire avec Coprache, mais sur toutes les gammes. Je pense que ça peut être pas mal qu'on le joue un petit peu plus vite. Maintenant, on va faire une reprise, mais allez, à 120, soyons fous. Team. Et si vous le faites chez vous, cet exercice, et que vous le faites à tempo plus vite, dites-moi à quel tempo vous le faites. Ça sera rigolo d'essayer de voir si vous le faites à 160. Dans le grave là, c'est ça devient un peu laborieux. Donc ça c'est bien pour le legato, On en travaillera quelques-unes de ces études de Chantel. Je voulais faire un petit peu, donc là va, il y a des petites choses sur le tri aussi qui sont pas mal. Sur les arpèges aussi, c'est pas mal. Alors, on va travailler un petit peu les souplesses de Chantal avec le livre 1. Je crois que c'est celui-là, ouais. Et alors, celle-là. Donc, ici. Toutes ces études-là, elles sont jouables dans tous les tons. Donc, par exemple, on va faire celle-là, la première, là. Et il faut les jouer dans toutes les tonalités. Alors, je pense que c'est jouable aussi à la trompette dans tous les tons, dans tous les tons. On va le faire sur le ton de mi bécard, histoire de travailler la tonalité de mi bécard. Alors c'est parti, à la blanche. Thank you.
Voilà, dans tous les tons, on pourrait les travailler en mi bémol, en ré bémol. C'est intéressant de voir ça. On va en faire une sur le détaché. Par exemple, le petit B. Et on va la faire cette fois en mi bémol. Cet exercice-là aussi, c'est pareil, ça demande un flux de l'air assez important. Et zut, voilà. Cet exercice, cette méthode, elle est jouable vraiment par de nombreux niveaux. Tous les niveaux, là, ces petits exercices, la première ligne. Alors, on va accélérer un petit peu le détaché pour aller travailler les arpèges détachés. Il y a plein de choses là-dedans à découvrir, travailler de différentes façons de rythme. On va travailler ce rythme-là. Tom, ta, tom, ta, tim, ti, tim, ti, tom. C'est pas très intéressant. Je voulais travailler un petit peu rapidement. Peut-être sur les triolets, ouais. Ici, on va faire ça. Les battues, on en a énormément besoin. Pareil, on va jouer sur corps en mi. Et après, on travaillera sur le corps en ré. Et on va enchaîner avec celui-là. Toujours en mi bémol. Alors celui-là, il est rigolo à faire.
va continuer toujours en mi bémol. Ti-lo-ti-ti-lo-ti-tam. Le même tempo. Pour travailler les triolets, c'est vraiment bien. On va travailler maintenant les doubles croches. Ceux qui ont envie de jouer le quintet de Mozart, là, c'est bien pour travailler ça. Toujours même tempo. On va faire le moderato. On va travailler le 8 moderato pour le staccato et puis on fera le A, le B qui sont dans la même continuité. Ça permet de bien préparer la double croche. Toujours en mi bémol. 1, 2, 3. C'est bien, c'est des exercices qui sont jouables aussi pour la batterie fanfare avec les corps mi-B ou avec corps naturels, pourquoi pas. On va faire le suivant, c'est parti en moderato toujours. On accélère un petit peu le tempo, moderato, plutôt 110. Ta-to-té-to-té-to-tem, ta-to-té-to-té-tom, ti-tom. 2, 1, 2, 3. C'est pas si simple à 110 pour préparer le B1. On va descendre un tout petit peu et on va le refaire une fois. Et voilà. Ah, ça délie un peu la langue tout ça. Alors le suivant, typique quintette de Mozart. On
va respecter l'articulation prévue aujourd'hui. Et à chaque fois, on va bien respecter aussi le crescendo, décrescendo, avec le plus de stabilité possible sur les points d'orgue. On va le faire une fois en mi bémol, encore une fois. 1, 2, 3. Un peu plus propre, ça sera mieux. C'est pas si simple celui-là à 108. Hein. On va d'abord le monter à 100, à 80, juste le dernier pour revenir au tempo initial. Tira, tenta, tira, tenta, 90. Ok, 96. Voilà. Alors, on suit un petit peu ça, et maintenant on va travailler sur le corps en ré. Alors c'est bien parce que c'est, on peut même travailler sur les ternaires, et on va faire celui-là. C'est pas mal. Sur corps en ré pour travailler un peu le ternaire, parce qu'après j'aimerais vous faire partager, vous partager même, on va aller travailler du ternaire ici, celui là en ré au début, c'est pas mal. Pour bien articuler toutes les premières notes, les à propos des attaques. 1, 2, 3. Ça marche pas mal, ça c'est cool. Alors, si je le retrouve,
tous les... On va faire un petit peu de d'études. Je sais plus ce que j'en ai fait. Il y avait un trait justement qui était vraiment chouette. C'est là. Superbe édition de Claude Maury concernant les mélodies de Gounod. Elles sont très très belles. Mais c'est pas ça, je cherchais hein, quelque chose en mi bémol, je l'ai plus. Tant pis. Oui, ça c'est très très joli. On pourrait les jouer en mi bémol. Il y a ça aussi qui est vraiment chouette. J'aime beaucoup les récréations musicales. C'est des choses qu'on peut jouer dans plusieurs tonalités. On va jouer ça. On va en jouer une de tout ça. Et on va la jouer en mi bémol puisqu'on a travaillé sur le corps en mi bémol. Alors au choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a du Donizetti, du Mercadante. Fais un petit tour vite fait que je me souvienne. Des choses que j'ai déjà vues. On va jouer celle-là. Et un peu de rubato, c'est bien pour se détendre un petit peu en fin de parcours. Thank you.
C'est sympa ces petites études là, on va en bosser une ou deux. Hop. Celle de Bellini aussi, elle est très bien à travailler. Soit un petit peu longue sur une page, mais en mi bémol, c'est bien de travailler un peu sa transpo. Et ça fait travailler un peu de musicalité. Alors, c'est très bien celle-là aussi. On va faire deux la Bellini là. Et puis après, on ira voir un autre cahier. Do la fa la si si ré do si do ré mi fa. Tira ta 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 tim. Tira ta 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 tim. Faut que ça roule un peu ça. Pour les roulades. Et on finit encore avec des roulades. Alors comment elle fait cette roulade là? Fa mi fa sol, fa mi fa sol la si do ré mi fa mi fa ré, fa mi ré do si la si ré si sa fa mi ré do si la si ré si fa. Fa mi fa mi ré do si la si ré si fa. On va refaire cette petite enchaînement. Fa si la si fa ré do ré si tam ta da di tam ti ri di dam. On va garder un petit peu l'alimentation de l'air. Thank you.
trouvé un fil conducteur à cette étude. Le fil conducteur, c'est les deux croches ici, là. Je trouve que c'est rigolo, faut que ça soit un petit peu marrant. Ouais, c'est ça. C'est ça, pam pam pam. C'est ça le fil conducteur, je pense. Et après, ça doit être quelque chose de comme une chevauchée en fait, quand on fait ces. C'est des petites roulades, ça doit aller très 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 vite. Alors, on va en faire une autre. Dans un esprit comme ça aussi, assez drôle, on va dire entre guillemets, c'est il faut que je la retrouve. C'est pas celle-là, celle-là elle est vraiment pas drôle. Celle-là elle est pas drôle du tout. Celle-là, ouais, c'est celle de Radovan Vladkovic. Il nous a joué ça. C'est pareil, ça doit tourner un peu. Fammi fa sol la si la si do re pam. C'est pareil, c'est dans les Caprices de Galet, les 12 Caprices. C'est la numéro 4. Ça, c'est très important de faire tourner ça. Celle-là, peut-être, elle te conviendra mieux, Lana. Elle est plus facile à comprendre. Parce que là, il y a la première phrase, et après, c'est la deuxième élément. Ici, un peu rigolo. Elle est pas facile d'arriver là. Papa papa lola. Une fois qu'on a fait ça, un petit passage lyrique.
Alors c'est pas si simple ce passage lyrique. Peut-être à garder un petit peu le plané. Le côté planant de cette histoire. C'est vraiment les premiers temps qui sont importants. Sinon, ça fait mais et après, on connaît, c'est comme au début. Ah zut! Ah, c'est pareil ici. Tiodam, piodam. Ça c'est très rigolo, mais c'est pas si simple. Voilà. Alors, ces petites galets là sont vraiment chouettes à travailler. Alors ça c'est pas commode. J'ai pas retrouvé la. Où est-ce que c'est cette. Ah voilà. Il y a celle-là aussi qui est très connue pour les seconds corps. Et ça sera demain. Allez, je vous laisse. Pour aujourd'hui, on en a terminé sur ce stream. Merci d'avoir été là encore une fois, d'avoir écouté tout ce live et d'avoir commenté aussi, d'avoir partagé. Merci Marie-Dor, peut-être à tout à l'heure, à demain. Eh bien, tant mieux, c'était très chouette. Moi aussi, je me suis bien amusé en tout cas à faire du corps et puis à vous le partager. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Vive la musique.